Vous entendez ? Il me répond. C'est lui, Wolfgang Amadeus Mozart, l'homme qui nous a transmis la musique des cieux. Quel homme de génie ! À 6 ans, il achève son premier concerto. À 11 ans, son premier opéra. Il voyage alors dans l'Europe entière. Il est adulé, célébré. À 17 ans, maître de chapelle à la cour de Salzbourg, il est plein d'espoir et de projets. Mais soudain, son destin bascule. Le prince archevêque, son protecteur, meurt. Le terrible et austère Colloredo s'empare du pouvoir. Entre les mains de Dieu. Faites hommage à son Altesse Sérénissime, Hieronymus Colloredo, votre nouveau maître. Léopold Mozart, approchez. Quel est ce torchon ? Votre fils me demande un congé pour vous deux. Il veut courir le monde et donner des concerts. Si du haut de ses 17 ans, ce jeune prétentieux estime le travail à mon service indigne de son talent, eh bien, qu'il démissionne. Et vous avec ? Démissionner, Votre Altesse, mais c'est impossible. Comment vais-je nourrir ma famille ? C'est votre affaire. Encore nos idées que l'on tord, étranglées dès l'aurore, et nos rêves que l'on crève sans un remords. Leur valeur qui court, les gardiens de leur tour, impuissants, ils sont devenus sourds. Voir c'est l'impossible avant tout, brûler nos prisons dorées, oser l'utopie jusqu'au bout. Seuls les fous nous ont fait avancer. Encore la censure pour décor, nos esprits qu'ils s'essorent. Ils nous piègent au nom des carnivores.
impossible avant tout. Brûler nos prisons dorées. Oser l'utopie jusqu'au bout. Seuls les fous nous ont fait avancer. Des jours faciles pour imbéciles. Ils nous ont permis des vies dociles, sans douce folie, sans poésie. L'ennui au fil des nuits sans fin, qui de nous deux joyeux pantins. Wolfgang Amadeus Mozart, pour vous servir. Avant tout, brûler nos prisons dorées. Oser l'utopie jusqu'au bout. Seuls les fous nous ont fait avancer. Je refuse votre demande de congé et je vous annonce également la fermeture définitive du Théâtre National de Salzbourg. Ainsi, jeune homme, vous pouvez oublier vos rêves chimériques d'opéra en allemand. Désormais, contentez-vous d'honorer les travaux que je commanderai. Père, je n'ai pas le choix. Il faut partir. Partir, il faut partir, mais c'est impossible. Colorado a refusé mon congé et je ne peux t'accompagner. Je pars, seul. Tu n'en es pas capable. Oh, papa, je t'en prie, écoute-le. Père, il y va de ma vie. Je te dis non. Arrêtez, tous les deux. Léopold, s'il le faut, je pars avec lui. Quoi? Toi? Quitter la maison, mais enfin, tu n'as jamais voyagé. Eh bien, il y a un début à tout. Maman a raison. Wolfgang, tu pars avec ta mère. Mais veille bien sur elle. Elle est pour moi ce qui compte le plus au monde. Et toi, mon enfant, trouve une situation et vite. Et n'oublie pas qu'un musicien sans emploi n'est qu'un vagabond. Un saltimbanque, méprisé de tous. Papa, merci. Merci. Calme-toi. Tu verras, papa. Tu seras fier de moi. Je composerai les plus beaux opéras et je dirai au monde entier que c'est pour mon père, qui est le meilleur des pères. Monseigneur, les Mozart ont quitté Salzbourg. Comment? Le père et le fils? Non, votre Altesse, Mozart jeune seulement, enfin accompagné par sa mère. Ah oui. Et sait-on où il compte se rendre? Eh bien, on dit qu'il se dirige vers Mannheim, sire. Partez sur l'heure pour Mannheim et informez de ma part le prince Karl Théodore du comportement de cet insensé. Je ne veux pas. Il ne faut pas, vous m'entendez? Qu'il obtienne ailleurs un emploi qu'il me refuse ici. Permettez, votre Altesse, vous perdez là le meilleur musicien de votre cour et surtout un très grand compositeur. Qu'il aille au diable! Je détestais sa musique. Laissez-vous déboire à la porte. Ici on sait noyer les amours mortes. Cœur en berne, grand verre en main, à la taverne de la divin. Taisez-vous satanées complaintes et chantez donc à la gloire de l'absinthe. Mordicus, trinquez sans peur. Bacchus et Dieu dans ma demeure. Hop, hop, hop. Yolo, yolo. I find my fear from sex. Ah, do not hug my air. Je ne fais pas. Santé.
il au rendez-vous du bonheur. Tu seras bienvenu, quelle que soit l'heure, avec moi. Crois bien plus que tu ne dois. C'est ça. C'est bon pour tout ce que tu as. Lève le coude, tiens bon la barre. Tout oublier, c'est pas la mer à boire. Crois bien plus que tu ne dois. C'est bon pour tout ce que tu as. Je laisse mes déboires à la porte. Je viens noyer mes amours mortes. Crois bien plus que tu ne dois. C'est bon pour tout ce que tu as. Crois bien plus que tu ne dois. C'est bon pour tout. Bonsoir la compagnie. Messieurs les musiciens, voici vos partitions. Bon, on se la prend cette dernière tournée. Ah oui, non, patron. Wolfgang, ça suffit. Ah si, maman, nous allons voir mon premier concert ici à Mannheim. Ah, ça va violonner. Vive Mozart et vive la musique. Ouais. Eh, dis donc, l'artiste, je te trouve bien sûr de toi. C'est pas toi qui t'es fait renvoyer de Salzbourg, il me semble, non? Non, mais monsieur, qui vous permet? Maman! C'est vrai, ça, monsieur Mozart. Ici, tout le monde sait que Colorado s'est débarrassé de toi. Ah, mais il n'a pas été renvoyé, monsieur. Non, c'est lui qui est parti. Non, sans blague. Parfaitement. Et ici, à Mannheim, je composerai un grand opéra. Et en allemand. Oh non, mais vous entendez? Un opéra en allemand. Et pourquoi pas en français, tiens? En chinois. En chinois. Et apprenez, petit jeune homme, qu'ici on a du goût. Oui. Et que tout le monde sait qu'il n'y a de bon opéra qu'en italien. Et moi, je me fous de votre bon goût et de vos préjugés. Inquisiteur citoyen, gardien docile du bien commun, sortir de votre chemin me fait tant de bien. Je suis un libre penseur, un trublion à l'emmerdeur. Messieurs les juges, les procureurs, non, je n'écure de vos assises. Je suis assis sur votre. Police.
bravo. Et qui êtes-vous, monsieur ? Je me présente, Fridolin Weber, copiste du Théâtre de la Ville. Justement, en ville, on parle beaucoup de votre fils, madame. Son jeune talent semble prometteur. J'ai donc décidé de l'aider. De l'aider ? Mais à quoi, je vous prie ? Eh bien, je propose à l'avenir de copier gratuitement toutes ces compositions. Et bien sûr, de vous aider à les diffuser. Oh ! Monsieur ! Mais comment vous remercier ? Je ne sais pas. Faites-moi juste le plaisir de venir chez moi, prendre un chocolat avec votre maman. Ce sera un honneur de vous présenter ma famille. Nous causerons... Oh, monsieur, je ne pense pas Nous logeons derrière l'église. Je compte sur vous. Madame ? Wolfgang, cet homme ne me dit rien qui vaille. Mais pourquoi ? Oh, petit naïf. Mais parce que c'est trop beau pour être vrai. Psst, alors ? Ma chérie, j'ai fait comme tu me l'avais demandé. Eh bien, il vient, il accepte. Oui, ma Cécilia, je te l'amène. Et sa mère, elle vient aussi ? Bah oui, j'en ai bien peur. Ah, mais pourtant, je t'avais dit pas avec elle la première fois, elle va tout faire rater. Oh, mon pauvre ami, on peut vraiment rien te demander, hein. Eh, mais c'est aussi ton boulot de l'amadouer, non ? Mais justement, mon grand, mon boulot, moi aussi je le fais. Regarde. L'invitation ! Oh, comme ça sent bon ! Un vrai parfum de réussite ! Oh, notre fille, invitée pour une semaine de concert à chanter devant la princesse d'Orange ! Oh, Aloysia Weber, prima donna ! Oui, mais maintenant il faut convaincre ce Mozart de composer pour elle ! Bah, préparons-leur une petite réception à notre façon. Hmm ? Mesdemoiselles ! Entrez ! Mais entrez donc ! Ah, merci ! Merci d'être venue ! Laissez-moi vous présenter ma femme, Cécilia. Enchantée, madame. Madame. Ah, voici le fameux monsieur Mozart dont mon mari m'a tant parlé. Mes filles, donc, Sophie, Josépha et Constance. Constance, viens saluer, s'il te plaît. Mais mettez-vous à l'aise, hein. Sophie ? Oui, maman ? Tu peux servir du chocolat à... Anna Maria. Anna Maria. Et vous, Wolfgang, je crois. Voulez-vous... Merci, non. Constance, cesse immédiatement de chanter cette idiotie. C'est pourtant charmant. Bon, ça suffit, Constance ! Bien. Alors, cher Wolfgang, je me suis laissé dire... que vous étiez jadis un jeune prodige. Oh. Il paraît même que votre père vous faisait jouer du piano les mains attachées dans le dos. Mais non, ma chérie, enfin, les yeux bandés. Madame, je suis musicien, pas magicien. Un erratum.
présente notre fille, Aloïsia. Monsieur, depuis que mon père m'a parlé de vous, je brûle d'avoir rencontré. Mademoiselle, votre chemin bouleversé. Oh. Votre voix est si pure, si douce. Oh, je vous en prie, ne soyez pas cruelle, j'ai encore tant à apprendre. Justement, mon cher Wolfgang, notre Aloïsia est invitée dans une semaine à la cour de la princesse d'Orange pour donner quelques concerts et... Et la pauvre ne dispose que d'un maigre répertoire. Monsieur, accepteriez-vous de me donner quelques cours? Oui, je m'y engage. Je suis prêt à vous aider. Et composer pour vous les plus belles symphoniques. Papa, peut-être que Monsieur Mozart pourrait nous accompagner au château de la princesse. Mais bien sûr, ainsi vous pourriez diriger votre propre musique. Mais quelle bonne idée, hein, n'est-ce pas, madame? Mais enfin, Wolfgang, nous ne pouvons quitter Mannheim maintenant. Pense à ton emploi auprès du prince, à ta commande d'opéra. Mademoiselle, nous pouvons commencer dès maintenant. Bien, je rentre à l'hôtel, je vais écrire à ton père. Et tu sais ce qu'il pensera de tout ceci. Ne me touchez pas. Constance, s'il te plaît. Plaît-il? Eh bien, la place. Oh, votre Altesse. Oh, mon grand. Elle est parfaite, hein? Non, mais regarde-le comme il est fasciné. Ah oui, ça vraiment, elle est... parfaite. Mais pas toi, t'as rien demandé. Oh, mais dis-moi, tu ne le trouves pas un petit peu bizarre tout de même? Mais non, c'est l'émotion, hein? Oui, voilà, on va dire l'émotion. Et puis, on lui demande pas de l'épouser, hein? À vous dirai-je, maman, ce qui cause mon tourment. Depuis que j'ai vu Wolfgang me regarder d'un air tendre, mon cœur dit de chaque instant, peut-on vivre sans sa main? Le prince nous a définitivement fermé sa porte. Et depuis que Wolfgang est tombé sous le charme de cette Aloïsia Weber, plus rien d'autre ne compte. Je t'en supplie, écris-lui de toute urgence. Et rappelle-le à l'ordre. Bonsoir, petite maman. Oh, Wolfgang, mon chéri, il faut que je te dise. Nous avons répété toute la journée, tu sais. Et Aloïsia est surprenante. Elle est merveilleuse, tu Wolfgang, sais. Wolfgang, écoute-moi. Mais je t'écoute, maman. Dis, il faut préparer les malles. Nous partons demain chez la princesse d'Orange. Et en plus... Mais qu'est-ce qu'il y a, maman? Il y a que nous n'avons plus rien à faire ici à Mannheim. La commande de ton opéra est ajournée et ta demande d'emploi rejetée. Ajournée? Rejetée? Eh bien, tant pis! Mon avenir, c'est Aloïsia! Elle sera ma muse et je serai son poète! Ah, mais tu perds la tête, mon pauvre petit! Aria, pour ma sublimissime Aloïsia, crudele, periglio. Mademoiselle, mais comme c'est charmant. Mes amis, voici un bien joli couple en vérité. Bah, qu'est-ce que t'attends? On va lui parler. Mais enfin, ma Cécilia, pas comme ça devant tout ce beau monde. Mes amis, après la musique,
la danse. Oh, que l'on ouvre le bal. Votre Altesse, je suis le père de la chanteuse Aloïsia Weber. J'aimerais solliciter de votre bienveillance une recommandation. Allons, monsieur Mozart, venez donc me voir. Oh, votre Altesse, elle rêve d'entrer à l'opéra. Votre soutien serait des plus importants pour nous permettre de la présenter. Dire que vous composiez un opéra en allemand. Mais racontez-moi, est-ce une histoire d'amour sur moi? Oh, votre Altesse, si vous aviez la gentillesse de bien vouloir m'écouter. Si belle occasion cachée, décidément, t'es lamentable, hein? Oui, mais enfin, tu vois bien, ne m'écoute pas. Non, tais-toi, pauvre idiot. De toute façon, t'as jamais été capable de faire quelque chose de bien pour ta fille. Oh! Ah! Mais Fridolin, reviens ici immédiatement. Fridolin! Tu ne me félicites pas? La partie serait trop belle. Et qu'est-ce qui te dérange? Est-ce que vous pouvez m'énerver tous les deux? Toi avec tes grands airs de diva, Wolfgang, ces soupirs de Benet perdus d'amour. Tu es jalouse. Jalouse, moi? Mais oui, jalouse, tu le dévores des yeux. En tout cas, moi, je ne me moque pas de lui. Mais je ne me moque pas. Nous travaillons ensemble, c'est tout. Non, tu l'utilises. Il est vrai, dans ses sentiments comme dans sa musique. Pas toi. Mais pourquoi s'en faire de maintes guerres? Voleront en l'air cité sur terre. En attendant, tu m'exaspères, petite garce, des grands airs. T'es bonne à vivre avec les sœurs, regarde la gueule de ton bonheur. La princesse a accepté de renouveler votre engagement. Tom, votre chant lui a plu. Mais ça, j'en étais sûre. Oh, du fond du cœur, je vous remercie, Wolfgang. Eh ben, tu vois, mon grand, c'était pas si difficile. Hein? Wolfgang, Wolfgang. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Tiens, c'est pour toi. Ah,
pour moi ? Oui, une lettre de ton père. Oh, de bonnes nouvelles au moins. Mes erreurs, mes douleurs, mes pudeurs, mes regrets, mais pourquoi faire ? Tu t'en moques, tu révoques, tu t'en bloques, tu balais tout d'un revers. Ma mémoire, mon histoire, sans égard, mon passé que je n'enterre. Demain tu diras pourquoi n'ai-je pas vu les pièges. Enfant qui dans l'odieux manège. Des rancœurs, des frayeurs, des malheurs au cœur de l'amour amer. Des nuits noires, des déboires à la gloire, des plaisirs éphémères. J'ai beau prêcher dans le désert, comment me taire ? Tourne la terre comme les hommes à refaire encore les erreurs de nos pères. On ment toujours la même pomme et le serpent tend sa langue, l'on s'enferme dans les erreurs d'hier. Grandir, t'accomplir et sortir de la ronde séculaire. Dans mon ombre, les décombres des jours sombres, tu trouveras la lumière. Ce sont mes travers qui t'éclairent. Comment me taire ? Tourne la terre autour des hommes, nous sommes la somme des erreurs de nos pères. On ment toujours la même pomme et le serpent danse alors que l'on s'enferme. Tourne la terre autour des hommes, il faudrait faire ce que nous sommes en embrassant mon père. Wolfgang, reprends-toi. Abandonne cette Aloïsia. Pars pour Paris et vite. C'est à Paris que tu trouveras l'honneur et le succès. Fais reconnaître ton talent, alors seulement tu pourras revenir vers Mademoiselle Weber. Wolfgang, obéis-moi! Aloïsia. Aloïsia, je dois vous quitter. Me quitter? Oui, dès demain. Mais, et nos concerts? Je ne sais pas. Vous chanterez sans moi. Et Wolfgang, que vous arrive-t-il ? Je dois quitter Mannheim et partir pour Paris. Et comme ça, tout de suite, mais réfléchissez. Et Aloïsia et tous nos projets. Mais enfin, madame, expliquez-nous ! Non, c'est tout, je pars. Aloïsia, je ne serai pas long, tout au plus, quelques mois. Quelques mois ? Mais enfin, c'est une éternité, une vie entière, non ? Non, ne partez pas. Ah ! Tu vois, cette fois-ci, c'est raté. Oh, crétin, va. Aloïsia. Aloïsia, non. Non. Mon père a raison. Aujourd'hui, je ne suis rien. À Paris, je m'imposerai. Je ferai fortune pour être digne de vous. Je t'en supplie. Aloïsia. Je vous aime. Ne m'oubliez pas. Adieu. Adieu. Je vous déteste. Je vous déteste. Divine, candide libertine, ce soir je viens m'inviter dans ton lit. Laissons dormir les maris, allons nous aimer, on est des braves gens. J'apprendrai ta langue et ton accent pour te comprendre. Je serai vivant et décadent pour te surprendre. Tâte-moi sur tes seins. Je baiserai tes mains, je ferai que ça tombe.
l'audace de leur vile arrogance. Mais quelle inconvenance! Allons chez les bourgeois, siffler leur fate, taquiner leur conscience. Que m'importe la rite, les regards sur mes travers. Ils sont ma richesse, mon étendard. Ils sont ma terre. Date-moi sur tes seins. Toutes mes luxures sur tes dorures, te tatouer sans mesure, sans mesure. Laisse-toi tomber dans mes bras, glisse-moi sur tes draps, dérivant jusqu'à l'outrance. Chantons pour les bienséants, les délices de la décence. Je vais aller chercher un médecin. À l'aide! C'est pour ma mère, elle a eu un malaise. S'il vous plaît, je n'ai pas d'argent sur moi, mais je vous paierai. Je vous en supplie, aidez-nous! Wolfgang, où es-tu? Tout est noir, je n'y vois plus. Je suis là, maman, ne bouge pas. J'ai demandé un médecin. Oh! Avec quoi vas-tu le payer? Nous n'avons plus rien. Hier, un ami du baron Grimm m'a commandé une sonate. Il m'a promis une solide avance. Tu vas voir, maman. Oh, ne mens pas, Wolfgang. Je sais bien que le baron Grimm n'a rien fait pour toi. Tout comme je sais que Paris t'a fermé toutes ses portes. Non. Pars, mon petit. Promets-moi de quitter cette ville maudite et de rentrer chez nous. Surtout, prends bien soin de ta sœur. Pourquoi tu dis ça, maman? C'est toi qui en prendras soin. Allez. Promets-moi aussi de ne pas en vouloir à ton père. Non. Il t'aime, tu sais. Maman. Et dis-lui bien. Maman, tu dis... Non, tu dis n'importe quoi. Dis-lui. Allez, tu dis va. Allez, viens. Viens, on va rentrer à l'hôtel. Dès demain, on part pour Salzbourg. Je te le promets, maman. Allez, viens. Viens, maman. Maman! Maman! Laisse-moi.
Aloïsia, vous ne me reconnaissez pas. Wolfgang, Wolfgang Mozart. Mon Dieu, Wolfgang? Oui, quelle joie de vous retrouver. Je rentre juste de Paris. Mais quel est donc cet accoutrement? Vous êtes donc engagé comme domestique? La musique ne vous plaît plus? Mais si! Oh, ne me dites pas que vous portez la dernière mode de Paris. Ma mère est morte. Ce sont mes habits de deuil. Oh, que c'est dommage. Enfin, je veux dire, c'est terrible. En tout cas, c'est affreusement laid. Il faudra penser à vous changer et vous coiffer aussi, hein? Aloïsia, à Paris, je n'ai pensé qu'à vous. Tenez, je vous en ai rapporté cet aria. Mais c'est que des mois sont passés et depuis, j'ai été engagée à l'opéra. À l'opéra? Oui, et je coule sous les meilleures partitions. Aloïsia, je suis là devant vous, prêt à vous servir. Je veux partager votre vie. Je veux vous épouser. M'épouser? Oh, j'ai oublié de vous présenter Monsieur Joseph Lange. Monsieur? Nous allons nous marier. Bon retour à Salzbourg. À l'occasion, quand vous repasserez par Munich, venez donc nous voir. Et saluez bien votre père. Détestent tous avec leurs faux semblants et leur manière de petits courtisans. Je vais rentrer à Salzbourg. Mais je ne céderai rien. J'irai jusqu'au bout de ma musique. Jusqu'à vous, Wolfgang Amadeus. Mozart, trahi, humilié, vous salue bien. Trop de bruit pour trop de nuits qui pensent, quand valse l'absence dans ce bal. C'est un cri qui fait mal. Je devine ton visage sur les ombres. Mes souvenirs sombres m'assassinent. Je dors sur des roses qui signent ma croix. La douleur s'impose et je n'ose pas. Dans les rires, dans le pire de ma vie. Trop de bruit pour mon esprit qui tangue sur mes rêves exsangues. Trop de danse, la mémoire est un puits de souffrance. Au-dessus de ton corps défendu, balance. Je dors sur des roses qui signent ma croix. La douleur s'impose et je n'ose pas effleurer les champs éclats. Ma vie.
départ. Oui, père. À Vienne, je vais enfin vivre parmi les musiciens. Jouer dans les salons, composer pour les princes. Non, non, Wolfgang, tu n'y vas pas pour ton plaisir. Mais seulement pour accompagner Colloredo au sacre du nouvel empereur. Ne l'oublie pas et... contente-toi de lui obéir. Mais père, Vienne est une nouvelle chance pour moi. Une chance. Une chance. Et tu as déjà eu toutes les chances. Et tu les as toutes ratées, tes voyages, tes rencontres, tout, tout. Jusqu'à ta pauvre mère. Mais tu l'as négligé ! Non ! Tu l'as laissé mourir, non ! Tu m'as arraché la moitié de moi-même. Père, toute ma vie, j'ai travaillé dur pour que tu sois fier de moi. Et si je t'ai déçu, j'en suis désolé. Mais aujourd'hui, je ne veux plus continuer ainsi. Wolfgang. Cela fait 3 ans que je supporte les brimades et les humiliations de ces tyrans. Wolfgang. C'est fini ! Cette fois, je vais à Vienne pour moi. Pour ma musique. Non, Mozart, vous êtes ici à Vienne à mon service. Et je vous interdis de vous produire ailleurs que dans ma maison. Mais votre Altesse, je voulais juste vous demander à présent, la permission. Retournez aux cuisines. Votre place est parmi les domestiques. Si le maestro veut bien s'asseoir, le dîner est servi. Alors, faux frère, tu n'apprécies pas notre compagnie? Mais qu'il est délicat, le musicien. Maintenant, tu vas voir à notre santé. Allez, bois. Petit poltron veut devenir grand. Mais il reste assis. Petit bouffon insulte le sultan. Mais il est puni. La vie est injuste, mais ça dépend pour qui. La vie est injuste, surtout pour les petits. La vie est injuste, c'est pour ça qu'on rit. Chez les grands, les puissants, les fourriris. Mon cher frère, je sais que ta vie à Vienne est un enfer. Mais je t'en prie, Wolfgang, tiens bon. Mais que se passe-t-il, monsieur Mozart? Vous annulez nos répétitions? Je vous parle, Herr Mozart! Et s'il est sourd, il est sourd! Il est sourd! Aimons-nous les uns les autres? Comédie, tragédie! Tous les enfants sont les nôtres? Comédie, tragédie! Peu importe les coups, tu prendras l'autre jour. Tragédie, heureux les miséreux et le royaume des cieux. Mozart, qu'est-ce que j'apprends? Colloredo, tu sais, tu es dans le salon. Monsieur le Moufti, seigneur des petits esprits, regardez-moi bien une dernière fois. Moi, Wolfgang Amadeus Mozart, je vous remets dès ce soir ma démission. Vous entendez, mon prince? Je suis libre. Libre! Déplaise aux courtisans qui baisent les pieds des hommes les mieux chaussés. Je me ris de leur vie de punaise écrasée. Tous se taisent les futiles fades qui brillent en belle société. Je suis fort à mon aise dans les crimes de lèse majesté. Nul n'est ici bas, maître des hommes, prince des Je passe, je suis roi de mes rêves, souverain de mes idées.
braise en guise de chaise, je m'assieds. Nul n'est ici bas, Dieu pour les hommes dignes de foi. Je passe, je suis revenu à souverain. Cher Stéphanie à l'opéra en allemand, mais c'est une ineptie. Monsieur l'intendant Rosenberg, je ne partage pas votre avis, je dirais plutôt... Une hérésie, vous dis-je. Enfin, vous imaginez des chanteurs de faubourg sur la scène du théâtre impérial Salieri, mon ami. Est-ce que vous imaginez, par exemple, Ich bin meine Fräulein, oh Wiedersehen wunderbar. Ach, 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 ach. Enfin, ça ne veut rien dire. Oui, qu'est-ce que c'est? Sa Majesté, Joseph II, empereur d'Autriche, soleil du Tyrol. Oh, c'est bon, mon ami, c'est bon. Messieurs, bonjour, suivez-moi. Votre Majesté. Ah, mademoiselle. Bien, je vous écoute. Votre Majesté, laissez-moi vous présenter Monsieur Stéphanie, qui vient vous remettre le livret de l'opéra que vous avez commandé et dont il est l'auteur. Allez, en place. Ah oui, pardon. Majesté. Entre-y. Allez, du rythme. L'enlèvement au sérail. Oui, Majesté. Ah, quel curieux titre. Majesté, il s'agit là d'un divertissement, d'une turquerie pleine de rebondissements, sire. Fort bien. Ah. Et à qui comptez-vous confier la musique de notre opéra, monsieur? Oh, eh bien, j'ai fait appel à Wolfgang Mozart, un jeune compositeur très prometteur. Sire, tout vient ne parle plus que de lui, Mozart par-ci. Un jeune écervelé, votre Majesté, qui clame partout ne vouloir composer que pour l'allemand. L'allemand. Eh bien, pour l'allemand, justement, sire, je pensais que ce choix vous conviendrait. Et dites-moi, mon cher Salieri, qu'en pensez-vous? Ça. Écervelé. Mais infiniment doué. Mais enfin, Salieri! Cependant, on ne peut nier sa jeunesse et son inexpérience. Messieurs, la chose est entendue, nous choisissons Mozart. Oh, merci. Rosenberg, oui. Vous suivrez cette affaire de près? Bien, votre majesté, bien. Vous en serez le garant, monsieur l'intendant. Absolument. Ah, et maintenant, fixons le jour de la première. Il a choisi Mozart. Il a choisi Mozart. Il a choisi Mozart. Ça y est, elle a fini la castafiore. Pardon. Attends, je vais faire taire. Josepha. Oui. Tu penseras à changer les draps de la chambre du deuxième étage? Bien, maman. Constance? Constance! Oh, les chemises de Monsieur Hoff, elles sont prêtes? J'arrive! Oui, mais dépêche-toi! Il attend pour partir. Alors, ça nous fait donc 2, 4, 6, 8. Et ben voilà, le compte est bon. Alors, ces chemises là! Tenez, oh. Les voilà! Bon, allez, disparaissez! Bah Constance, qu'est-ce que tu fais? Reste du travail. J'en ai assez. Assez de trimer comme une femme de chambre. Pourquoi n'engages-tu pas une gouvernante? Ah oui? Et l'argent pour la payer, tu le trouves où? Petite dinde. Depuis que ton père est mort, qu'Aloïcia est mariée et joue les divas, je me tue à la tâche et toi tu as des fatigues, des états d'âme. Non mais vraiment alors, je me demande si un jour t'auras un peu de plomb dans la cervelle. J'ai incendié mes romans, assassiner mes princes charmants, j'ai effacé les empreintes et les regrets,
toucher sans égard. Son regard m'a brûlé la peau. Monsieur le fugueur, hein? Monsieur le lâcheur. Oh ben j'espère au moins que vous regrettez de nous avoir abandonnés à Meinheim. Oh, Madame Weber, je le regrette pour vous. Mais j'ai oublié. Aloïsia est remise, bien mariée, célèbre, et même, elle attend un enfant. Un enfant? Mais que nous vaut l'honneur de votre visite, maestro? Eh bien, je voudrais louer une chambre. C'est d'accord. Mais attention, hein? Pas d'écart. J'ai encore 3 filles, alors ne profitez pas de la situation. Il n'y aura pas de deuxième Aloïsia. Oh. Et puis quant à moi, n'y songez pas. Vous n'êtes pas du tout mon genre. Nous savons tout de vous. Que vous avez claqué la porte au nez de Colorado. Que l'empereur vous a commandé un opéra. Et que vous n'êtes toujours pas mariée. Et aussi, laissez-le respirer. Vous êtes bien pâle. Nous allons prendre soin de vous. Si elle défaille, si elle défaille, à coup sûr, elle aura mal. Il faut qu'elle s'en aille bien avant qu'il la dévore. Dépêchez-vous, monsieur Stéphanie, dépêchez-vous. Oh, je m'ennuie. Votre excellence, voilà votre excellence. Je m'ennuie. Nous y sommes. Mais peut-être pourriez-vous repasser dans un instant, parce que je ne suis pas sûr. Que se passe-t-il encore? Les répétitions n'ont pas commencé? Ah, mais si, bien sûr, mais... Bien. Mozart est là, Mozart n'est pas là. Mozart est là, Mozart n'est pas là. Ah, ça y est. Mozart est là, oui, bien évidemment, mais par contre... Écartez-vous. Comment? Écartez-vous, vous m'énervez. Oh mon Dieu, Salieri, ne regardez pas cela, je le savais. Nous aurions dû venir beaucoup plus tôt. Maestro, Monsieur Stéphanie. Oui, c'est moi. Lequel est Mozart? Constance, tu m'avais promis ce baiser. Eh bien, viens le prendre. Maestro Mozart, nous sommes prêts. Nous vous attendons. Ouh. Eh bien, mademoiselle Cavalieri, pour une fois, c'est vous qui m'attendrez. Maestro, oh. Maestro, pardon d'attendre. Bon, silence et au travail. Annoncez-nous, vous dis-je. Alors, nous allons prendre l'aria numéro 10, s'il vous plaît. Je compte une mesure pour rien. Mozart,
Monsieur l'intendant Rosenberg et moi-même sommes ici à la demande de l'empereur et pour juger de votre travail. Ce que voyant, je comprends qu'il s'inquiète fort du résultat. Ah, merci! Comment pouvez-vous juger d'un travail sans en avoir entendu la première note? Oh, oh, des notes, des notes, des notes! Trop de notes! Alors il paraît que votre partition est truffée de difficultés insurmontables, injouables, hein? Trop de notes. C'est ce que je viens de dire à l'instant, parfaitement, oui. Mais qui rapporte de telles bêtises, monsieur, si ce n'est votre préjugé? Ceci est un outrage, monsieur, et je n'en supporterai pas davantage. Alors, à vous revoir, Salieri. Je vais vous expliquer. Salieri, vous venez? Bravo, mon jeune ami. Bravo, très réussi, votre petit éclat. Pourvu que votre musique soit à la hauteur de votre prétention. Attendez! Salieri! Vous êtes musicien. Je vous en prie. Moi, je n'en ai pas besoin.
De notes. Mozart, entendez mon conseil. Restez bien à votre place et tout ira bien entre nous. Constance! Pucci, Pucci! Oh mon amour! Constance, tu vas me donner ce baiser maintenant. Ah, mais mignon, pris sur le fait, hein. Quelle honte! Cécilia, maman, madame, quelle terrible méprise! Vous m'aviez donné votre parole. Non, justement, vous avouez, hein. Ah, Wolfgang, vous êtes notre... notre ruine, oui, notre ruine. Vous vous êtes affichés ensemble avec une telle impudeur. D'où Vienne va nous montrer du doigt? Oh, tant d'efforts, de sacrifices pour voir ma petite Constance déshonorée. Oh Dieu merci, ton pauvre père n'aura pas vu cela. Oh maman, comment oses-tu? Oh tais-toi, sors immédiatement. Jamais. Petite peste. Bon, je crois qu'il vaut mieux que je parte. Dites donc jeune homme, vous ne pensiez tout de même pas fuir? Moi fuir, mais même bien au contraire. Car si vous tentiez de disparaître, nous ferions appel à la force publique. La force publique? Non mais qui êtes-vous, monsieur? Je suis le tuteur de cette pauvre enfant. Ah oui, merci mon ami d'être venu si vite. Monsieur le débauché, vous allez réparer dans l'honneur tout le mal que vous avez fait à cette famille. Et comment le puis-je, monsieur? En signant ceci, une promesse de mariage en bonne et due forme. Une promesse de mariage? Mais mon père refusera. Oh le filou, voilà qui nous refait le coup du père. Vous devez vous engager à épouser mademoiselle Constance Weber ici présente dans les 3 ans à venir. En cas de non-respect de l'engagement, vous devrez verser 300 florins à madame Cécilia Weber. Oh, diable! Oh, oui, c'est bien, oui. Tout est-il bien clair? Ce qui est clair, c'est que votre piège est bien ficelé. Madame, mes compliments. N'insistez pas, Mozart est signé. Papa! Écoute la nouvelle. À la demande de Sa Majesté, Monsieur Mozart a commencé les répétitions de l'enlèvement au sérail. Nul doute que cette œuvre prometteuse recevra l'accueil chaleureux du public viennois. Oh, papa, ça y est, notre Wolfgang va devenir célèbre. Mais pourquoi fais-tu cette tête? Ton frère... il m'écrit pour me demander l'autorisation d'épouser Constance Weber, la sœur d'Aloysia. Il s'est encore fait harponner par une fille de cette maudite famille, mais jamais, jamais, moi, vivant, je ne le laisserai l'épouser. Jamais! Mais papa, je ne te comprends pas. Je suis sûre que Constance est sincère. Et si Wolfgang l'aime, pourquoi veux-tu l'empêcher d'être heureux? Elle veut tout son talent, les envolées grandioses, les grands retournements, sous sa baguette de virtuose, que les musiciens osent. Je veux le sacrement, un air d'opéra rose, l'amant au firmament, et des cœurs qui se superposent, en apothée. Oh, mais quelle outrecuidance! Adieu, les solos sous les bras. Ah, ah, ah. Adieu, nos cartes à l'enfer, à l'envoi. Mortel, le pied bas au doigt. Ah, ah, ah. Le ciel. Constance, qu'avez-vous fait? Je ne peux imaginer que vous soyez complice de cette machination montée par votre mère. En doutez-vous vraiment?
à présent, je doute de tout. Wolfgang, Wolfgang, vous êtes la personne que j'aime le plus au monde. Si un jour vous décidez de m'épouser, je ne veux surtout pas le devoir à une quelconque promesse signée sous la contrainte. Ceci n'est pas une réponse. Vous reconnaissez ce document ? Je l'ai dérobé à ma mère ce matin, et voilà ce que j'en fais. Mademoiselle Constance Weber, acceptez-vous de devenir ma femme ? Elle veut l'accord majeur, sa main pour la conduire, éprouver son ardeur dans une symphonie de soupirs. Violon le désir. Oh, mais quelle concupiscence! Adieu, le sol au soleil. Ah, 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 ah. Adieu, nos gardes. Lâchez pas la main de l'ange, qui vaut mieux que cette comédie vulgaire. Il n'y a point de salut sur terre dans les amours légères. Enlevez-moi tout ça immédiatement! Il est là, il me regarde, imbécile! Oh, je le savais, je le savais, je le savais! Je n'aurais jamais dû laisser faire! Ce soir, c'est la première de l'enlèvement au sérail et tout Vienne attend le premier coup de baguette de cet excité de Mozart comme l'événement de l'année, l'année! Et Salieri, cet imbécile qui n'a rien compris, qui me dit. Vous verrez, Rosenberg. La confusion de cette musique indisposera la cour et l'empereur, et tout rentrera dans l'ordre. Quel imbécile, oui. Et si au contraire, cette confusion, comme il dit, les séduisait tous, on ne sait jamais. On ne sait jamais, d'autant que, bon, en cherchant bien, on peut y trouver quand même deux, trois moments audibles. Enfin, efficaces. C'est vrai, convenons-en. Tenez, par exemple, l'ouverture, l'exposition. Oh, ça, c'est magique. Écoutez, ça, tenez. Écoutez. Pa 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 la pa 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 la pa 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 pa. Oh, mais fait de ses peurs, Salieri, mon Dieu. Dites-moi. Oui. Rosenberg. La musique de Mozart vous plaît tant que ça? Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Au contraire, je pestais de rage. Ah, vous pestiez? Oui, je pestais, oui. De rage. Oh là 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 là, de rage, Salieri. Je me disais ce soir, c'est la première de l'enlèvement au sérail. Et Mozart ne peut pas, ne doit pas réussir. Alors j'ai devant l'empereur quelques amis qui seront réservés à cet opéra de Mirliton les sifflets qu'il mérite. Psst.
fait, mon ami. Ah oui, ça je vais faire, oui. Ah oui, oui, oui. Silence, silence. Je demande le silence, s'il vous plaît. Voilà. Mon cher Mozart. Mais décidément, votre opéra est un triomphe. Merci. Merci. Anselberg et Salieri sont humiliés. Oui. Mon amour, je suis fière de toi. Oh, les amis, le monde offert à cette belle victoire. Excusez-moi. Je voudrais parler au maestro Mozart. Il est devant vous, monsieur. Je me nomme Lorenzo da Ponte, auteur et poète à la cour. Lorenzo da Ponte. Mes amis, voici que l'auteur des livrets du maestro Salieri m'honore de sa visite. Mais que me voulez-vous au juste, monsieur? J'aimerais écrire un livret d'opéra pour vous, mais visiblement le moment est mal choisi. Je repasserai demain. Mais non, da Ponte, restez. Restez. Le grand Mozart revient à la musique. Oh, bravo. Veuillez passer à côté. Le dîner est servi, je crois. Je vous écoute. Bien. Je vous propose un argument léger tiré d'une comédie de Carlo Goldoni qui sera bien dans le ton qu'affectionnent nos Viennois. Vous en connaissez comme moi les limites. J'ai mieux. Le mariage de Figaro. La pièce de Beaumarchais. Vous n'êtes pas sans savoir que l'empereur l'a fait interdire à Vienne. Eh bien, vous le convaincrez. Quoi, de revenir sur sa décision? Mais jamais il n'acceptera. Cet ouvrage a provoqué un véritable scandale en France. Et les rumeurs de révolution s'amplifient partout en Europe. Ce sera Figaro. Ou rien. Alors ce sera sans moi. Un valet qui donne la leçon et ridiculise un comte. Les Viennois, votre public, Mozart, ne vous suivront pas. Da Ponte, ce que je veux faire vivre, ce ne sont pas tant les idéaux révolutionnaires que la déchirure des passions humaines. Figaro me touche infiniment. Et sa révolte est celle d'un homme libre. Votre talent et ma musique, nous le gagnerons. Acceptez, acceptez la bonté. Ce soir, Sa Majesté l'Empereur Joseph II assistera en son théâtre impérial à la répétition générale des Noces de Figaro. Opéra bouffe en quatre actes, présenté par messieurs Mozart et da Ponte. Mais enfin, que se passe-t-il? Pourquoi l'orchestre ne joue-t-il pas? Quelqu'un peut me dire, da Ponte, que signifie cette pantalonnade? Que votre majesté veuille bien nous pardonner, mais nous n'avons fait que respecter sa volonté. Ma volonté? Tiens donc! Arrêtez tout! Monsieur l'intendant Rosenberg a censuré la danse de mon final. Voilà. Il paraît que sa majesté ne tolère pas de ballet sur son théâtre. Rosenberg? Votre majesté. D'où sortez-vous cette ânerie? Votre majesté, je me permets simplement de rappeler que l'usage n'admet pas la danse de ballet, voilà tout. Eh bien, sachez que je n'ai que faire des usages. Je veux voir et entendre ce ballet. Est-ce clair? Enfin, Salieri, on croit rêver. Votre majesté, ceci est inacceptable. Oui, enfin, Salieri, ça suffit, Rosenberg. Salieri, faites. Mozart. Oui? Veuillez reprendre votre finale avec l'orchestre, s'il vous plaît. Ah, il me plaît assez, en effet. Merci, monsieur Salieri. Enfin, mais qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes complètement malade? Vous voulez ma perte ou quoi? C'est moi qui vous sauve de ce mauvais pas dans lequel vous vous êtes fourré, et moi avec. En faisant triompher Mozart aux yeux de l'empereur? Merci, merci bien. Vous ne comprenez pas, Rosenberg. Mozart est perdu. Figaro est un affront à la noblesse. Elle ne lui pardonnera jamais. Le scandale est tout proche.
Alors maintenant, écoutez-moi bien. Répandez des rumeurs dans les salons, semez la zizanie dans la troupe, corrompez-les s'il le faut. Et quand le fruit sera mûr, nous retournerons voir l'empereur, il m'écoutera. Oui, c'est bien. C'est très bien, ça. Je compte sur vous. Oui. Allez. Et pourtant, sa musique est sublime. Cette nuit, intenable insomnie, la folie me guette. Je suis ce que je fuis. Je subis cette cacophonie qui me scie la tête. Assommante harmonie, elle me dit tu paieras tes délits, quoi qu'il advienne. On traîne ses chaînes. Thank you.
Est-ce que je peux m'amuser aussi? J'aimerais apporter ma contribution à votre petite fête. Fini les noces de Figaro. Annulées. Retirées de l'affiche. Sur ordre de Sa Majesté, bien entendu. Mais enfin, vous mentez. Jamais l'empereur trahirait mon mari. C'est plutôt vous qui l'avez monté contre Mozart avec vos calomnies. Wolfgang est le plus grand compositeur de Vienne. Mais qui c'est cette furie? Vous direz à votre grand compositeur de Vienne qui n'est plus rien. Que dès demain, toutes les portes lui seront fermées. Plus personne ne voudra de lui, vous entendez? Personne! Personne! Non, Mozart, non, cette fin ne va pas du tout. Don Juan englouti dans les enfers. On ne peut pas terminer ainsi, il nous faut une scène ultime, une note positive. Il faut absolument effacer l'effet désastreux des noces de Figaro. Mon ami, vous devez vous réconcilier avec votre public. Quel public? Celui qui vous célèbre un jour et qui vous abat le lendemain. Hein? Je sais bien, mais nous sommes à 3 mois du début des répétitions et nous n'avons même pas un acte de prêt. Wolfgang, vous n'êtes pas avec moi, que se passe-t-il? Mon père est malade. J'ai un mauvais pressentiment. Bien, alors, que faisons-nous? Moi, je pars pour Salzbourg. Je vais rejoindre ma sœur qui veille sur lui. Il est trop tard, vous ne rattraperez pas le passé. Mais comment pouvez-vous parler ainsi? C'est mon père. Je lui dois tout. Sûrement pas votre génie. Allons, reprenons, s'il vous plaît. Le génie? Mais le génie d'Aponte, c'est aussi l'amour qu'il m'a donné. Ce sont les attentions auprès d'un enfant. Et sa passion pour la musique, dont il a fait toute ma vie. Le sourire qui s'allume, le regard qui s'embrume, et tu t'en vas danser au ciel. Tu m'abaisses, tu me mens, puis tu glisses doucement vers le plus beau des sommets. Mozart.
me voulez-vous ? Ne posez pas de questions. L'homme qui m'envoie vous tient pour le plus talentueux des compositeurs. Qu'attend-il de moi ? Que vous composiez une messe des morts. Un requiem ? Mais pour qui ? Ça n'est pas votre affaire. Voici 5 ducats. Vous en aurez autant à l'achèvement de la partition. Travaillez avec tout le soin possible. L'homme est connaisseur. 100 ducats, Wolfgang, nous sommes sauvés. Non, non, Constance, non. Cet homme n'est pas de notre monde. Il est venu de l'au-delà pour m'annoncer la fin. Vous savez, Madame Rosenberg me dit « Oh, mon ami, pardonne-moi bien sûr, mon ami, vous êtes un être merveilleux. » Ah, vous savez, j'adore rire. Bien, s'il vous plaît, Dieu prête longue vie à celui que Sa Majesté vient d'élever au rang de maître de la chapelle impériale, notre ami et compositeur Antonio Salieri. Bravo, maestro, bravo. Je me croyais l'élu en volant mon histoire, mais je me suis perdu pour gagner. À vaincre sans vertu, on triomphe sans gloire. L'honneur vaut mieux que le trophée. C'est ridicule, pas de scrupules, pas de triompher. Si on t'adule, pas de scrupules, laisse-toi porter. Mais le miroir fit mon regard pour ne pas voir que je suis victime de ma victoire. Oui, je m'avoue vaincu par le goût du pouvoir, parvenu en haut sans m'élever. Je suis prince incongru d'un talent dérisoire, me faire aimer des autres sans aimer. C'est ridicule, pas de scrupules, pas triompher. Si on t'adule, pas de scrupules, laisse-toi porter. Mais le miroir fuit mon regard pour ne pas voir que je suis victime de ma victoire. Victime de ma victoire. Mieux vaut être victime d'une victoire que souverain d'un rêve illusoire. Solitaire et déshonoré comme ce pauvre Mozart. Ruiné par l'échec de son Don Juan de malheur. Réduit à composer un conte sur le bonheur. Oui, et le pipo bavard, je crois. Oh non, 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 ça y est, ça me revient. La flûte bouchée. C'est la flûte enchantée, vous le savez très bien. Oui, une farce, pauvre farce de conteur pour artiste aphasique et désenchanté. D'ailleurs, comment ça fait-il déjà? La flûte bouchée, le pipeau bavard, mais c'est Mozart qu'on assassine. Victime de ma victoire, ma gloire est dérisoire. Si on t'adule, pas de scrupules, laisse-toi porter. Mais le miroir fuit mon regard pour ne pas voir que je suis victime de ma victoire. C'est ridicule, pas de scrupules, pourquoi triompher? Si on t'adule, pas de scrupules, pourquoi me porter? Et mon orgueil porte le dingue pour ne plus voir que je suis victime de ma victoire. Victime de ma victoire. Je l'ai. Montez. Écrivez. Lacrimosa. Les larmes. Ré mineur, première mesure. Fa do dièse ré. Troisième mesure, l'entrée du thème. Legato.
La faredo. Troisième mesure. Enfin l'espoir. La montée des cœurs. Si et do naturel. Tous partons. Puis demi-ton. L'inaccessible. Ma musique me dépassera. Les cieux. La lumière. Maître. Pauvre Mozart. On le dit reclus chez lui, la santé bien déclinante. Il raconte partout que la mort lui aurait passé commande d'un requiem pour ses propres funérailles. Pour ses propres funérailles? Non mais, quelle prétention! Vous ne trouvez pas, vous, Da Ponte? Monsieur, tout ce qui touche Mozart me touche également, et le mépris avec lequel vous le traitez me répugne. Constance! Madame, j'ai appris la maladie de votre mari et je voulais vous proposer mon aide. Non, monsieur, rien. Après tout le mal que vous nous avez fait, rien. Ah, c'est vous, Salieri. Comment allez-vous? Wolfgang, repose-toi, reste couché, partez. Partez, je vous en supplie. Vous voyez bien que c'est pas le moment. Salieri! Partez. Vous savez, Salieri, je ne parviendrai jamais à le terminer, mon requiem. Mais si, Mozart, vous guérirez. Non, mon ami, la mort est là. Wolfgang, ne dis pas ça, tu vas nous porter malheur. Je vais chercher le médecin. Non, Constance, non, ça ne sert plus à rien. Je veux seulement voir Susmeir. C'est lui qui doit finir le requiem. Va, sur la table, il y a tout ce qu'il faut, les notes, les esquisses. Allez, va. Va maintenant, va. Va. On part sans savoir où meurt le souvenir. Notre vie défile en l'espace d'un soupir. Nos pleurs, nos peurs ne veulent plus rien dire. On s'accroche pourtant au fil de nos désirs. Qu'hier s'il faut mourir, autant vivre à en crever, tout redevenir.
Bien plus haut, bien plus haut.